Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Au revoir, ma beauté. Écoute, tu me promets d'être sage toute la journée? Prends ton petit déjeuner. D'accord. Non, j'ai pas le temps, chérie. On m'attend sur le bateau. Je n'entendrai pas tard. Mais, maman, je voudrais que tu me laisses. Je serai absent toute la journée. Prends soin de ta mère, Jim. Bonjour, Jimmy. Monsieur Anslow est déjà sur le bateau. Bon, allons-y. De la grand-mère. Et quand le petit chaperon rouge arrive, elle dit « Oh, mère grand, quels grands yeux vous avez !» Et la mère grand lui dit Bracken. Faites ce qu'on vous dit et on ne vous fera pas de mal. Faites-les monter vite. Vous connaissez la radio? Des gens tués, leur identité et la fonction qu'ils avaient à la villa. Ah, merci, Dimitri. Ils vous ont contacté? Pas encore. Ils ont laissé une note. Elle est chez vous. Oui, combien ils demandent? Ils ne l'ont pas encore spécifié. Ils ont laissé une radio émettrice.
Je dois vous poser une question, monsieur Bracken. Où étiez-vous allé si tôt ce matin? J'avais rendez-vous à bord de mon yacht pour traiter une affaire. Combien y a-t-il de morts parmi mon personnel? Tous. Tous. Tous, monsieur Bracken. Le riche partagera ou le riche mourra. J'ai emmené la femme et les deux enfants. Oui. Tous les membres du personnel ont été tués. Tous. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Je sais ce que vous ressentez, monsieur Bracken. Vous ne devez pourtant pas oublier qu'à part l'offense personnelle qui vous a été faite, ces bandits ont commis les actes les plus criminels. Mais vous pouvez être sûr que la libération de votre famille est mon premier et mon plus grand souci. Monsieur Nicolidis, nous avons monté des instruments de radio et d'enregistrement. Bon, très bien. Monsieur Bracken, voici Dimitri, mon neveu. Vous avez ma plus profonde sympathie, monsieur Bracken. Je suis sûr que nous trouverons les moyens de sauver votre famille. Dimitri va rester avec vous. Il attendra le contact radio. Il y aura toujours un homme à côté de la radio avec un appareil d'enregistrement. Je prends le premier car. Un poste de télé à la place du copilote, il est à moi. Alors me le fauchez pas, hein, compris? Ouais! T'en as pas un pour moi? J'ai pris ça sur ta part, hein? McCabe. Bah bien, alors. Les deux balles dans mon pare-brise sont prises sur ta part. D'accord, Carl? Des problèmes? Quelques-uns. Et je les ai eu pour toi, Carl. T'as quelque chose que je peux ramener à Beyrouth avec moi? T'en as pas entendu parler, alors? Entendu parler de quoi? Dans les journaux. T'as pas vu? On est parlé depuis 8 jours. C'est dans celui d'hier. La famille d'un industriel américain kidnappé, aucun contact avec les ravisseurs. Je suis désolé, Mathieu. Dépêchez-vous de décharger la marchandise dans la chaloupe! Hé, hey, quand vous aurez fini de décharger, nettoyez cette saloperie de cabine, j'en ai marre de marcher dans cette merde. C'est ton fils qu'ils ont enlevé, McCabe. Envoie l'agneau. Maïs, ça doit faire 9 ans que je ne l'ai pas vu, Carl. Son rocher était plus grand que lui. Donne-moi mon argent. Ta femme aussi. Oui, je m'en souviens mieux. Bon, j'ai pas de temps à perdre, donne-moi mon pognon. Qu'est-ce que tu vas en faire? Hein? Acheter ma liberté. C'est pas à toi que je vais apprendre que ça coûte cher. Salut, à bientôt.
enfants. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une prison du peuple. Vous êtes les prisonniers de l'armée révolutionnaire activiste mondiale. Vous et vos enfants allez aider notre cause. Mais quelle cause? Le combat que nous menons pour libérer les peuples opprimés dans le monde. Faites ce que vous voulez de moi, mais relâchez mes enfants, je vous en prie. Relâchez-les, laissez-les partir. Rassure-toi, nous allons bien. Nous n'avons pas été maltraités. On me charge de te dire qu'il ne nous arrivera rien si tu suis leurs instructions à la lettre et aussi qu'ils n'auront aucune pitié si tu refuses de coopérer ou si tu cherches à nous retrouver. Ils font ce qu'ils disent. Ils ont tué tout le monde à la maison. Ils sont prêts à nous tuer pour avoir ce qu'ils veulent. C'est sa voix? C'est elle. Jonas, on me demande de te dire que nous sommes prisonniers de l'armée révolutionnaire activiste mondiale qui, je cite, combat la tyrannie de l'impérialisme mondial. Pour qu'il nous relâche. Oui. Bonjour, Jonas. Le commissaire Nicolidis, Jim McCabe. Il a le droit d'écouter. C'est le père de mon fils. Bonjour. Commissaire. Asseyez-vous, ce n'est pas fini. Nous sommes prisonniers de l'armée révolutionnaire activiste mondiale qui, je cite, combat la tyrannie de l'impérialisme mondial. Pour qu'il nous relâche, tu devras réunir la somme de 5 millions de dollars. Qu'il te donne 48 heures, ensuite ils nous exécuteront. Jonas. Monsieur Bracken. À 16 heures exactement, après-demain, vous brancherez la radio que nous vous avons laissée sur la longueur d'onde marquée sur le cadran. Vous n'aurez qu'à dire oui ou non. C'est tout. Ils ont parlé de l'armée révolutionnaire activiste mondiale. Qu'est-ce que c'est que ça? Une organisation criminelle extrémiste dont le seul intérêt est de créer l'anarchie et le désordre. Vous n'aurez jamais à payer ces 5 millions, monsieur Bracken. Nous les trouverons avant, je vous en donne ma parole. Je vais rassembler la somme. Nous voulons ces criminels autant que nous voulons sauver madame Bracken et les enfants. Plusieurs personnes ont été tuées. Nous voulons ces kidnappeurs. Nous les voulons à tout prix et nous les aurons. Oui, bien sûr, c'est comme si c'était fait. Faites-moi confiance, monsieur McCabe. Nous les aurons. Les flics sont tous des salopards. Oui, mais ce genre de salopard est très dangereux. J'ai toujours évité d'avoir affaire à eux. Malheureusement, nous n'avons que lui. Hein? Ce n'est pas certain. Je veux la liste de tout ce que je possède. Absolument tout. Vous n'avez pas cette somme, monsieur Bracken. Pas même la moitié. Actions, options, biens immobiliers, comptes créditeurs, débiteurs, tout. Et mon agenda, le nouveau. Je vais dans mon bureau. Adieu, joli palace. Peut-être pas encore. En fait, ce n'est qu'une villa. Est-elle nécessaire? Installez-vous. J'ai des tas de chambres libres.
Monsieur Kestelman, s'il vous plaît. Georges, Jonas Bracken. Oui, Georges, c'est terrible, merci. Mais ça va, maman. Reste tranquille, j'essaie de te laver. Ça va, je peux le faire moi-même. Maman. Oui, chérie. On est toujours là. Bien sûr qu'on est toujours là, tu vois bien. Mais pas pour longtemps. Papa va arriver. Il nous fera sortir d'ici, hein, maman? Oui, il nous fera sortir. Tiens, Jimmy, essaye de manger. Excuse-moi, maman, je peux pas avaler ça. Mes enfants sont malades. Il leur faut des couvertures. Vous ne m'entendez pas? Donnez-moi une couverture. Donnez-leur votre blouse. Ce sont des enfants. Vous ne voulez pas qu'ils tombent malades? Donnez-moi une couverture. Nous ne voulons pas monter un hôtel, madame. Non, vous n'êtes intéressée que par la violence, la destruction et la mort. C'est de la merde. Mes enfants n'ont pas eu un repas convenable depuis que nous sommes ici. Vous êtes simplement dans une prison et on vous traite comme les autres. On vous donne exactement la même nourriture que nous. Mangez tout alors. J'espère qu'on vous tuera, espèce de salope. Quel est le problème? Je veux une couverture pour mes enfants. Vous serez bientôt relâché, mais nous avons encore un message à envoyer. Je ne ferai plus rien tant que mes enfants n'auront pas une nourriture convenable. Alors envoyez le message pour vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, je vous tuerai tous. Vous vous rappelez les événements à Paris, Madame Bracken, il y a quelques années au mois de mai? J'ai demandé au début à mes amis de ne pas utiliser la force. Je croyais moi aussi aux démonstrations pacifiques, aux discussions rationnelles. Nous voulions faire respecter nos droits. Je ne voyais pas comment des gens raisonnables pouvaient nous les refuser. J'ai essayé de convaincre mes amis et la police de parler pour trouver des compromis. Voilà la réponse que j'ai reçue. La voix d'une arme à feu. Mais j'ai été très content, Madame Bracken, d'avoir entendu cette voix, parce que ça m'a fait comprendre qu'aucune conversation n'est possible entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. On ne peut rien contre ceux qui emploient le langage des armes. La force contre la force. Le meurtre pour le meurtre. Aucun compromis. Bravo. Essayez de trouver une couverture pour ces gosses. Jonas, en acceptant de réunir la somme qu'ils demandent, tu leur as prouvé ta bonne volonté, mais ils veulent plus. À très exactement 20 heures ce soir, ils te contacteront par radio. Notre exécution est simplement différée. Je ne trouverai pas un centime de plus. J'ai l'impression que c'est pas ça qu'ils vous demanderont. Messieurs, vous pouvez être assurés que tout se passera très bien. Continuez à coopérer, Monsieur Bracken. Quand ils prendront contact, essayez de les faire parler longtemps. Ils ne sont pas aussi malins qu'ils le croient. Ce genre de radio est une réplique des émetteurs de l'armée. Sa portée maximale est de 25 kilomètres. Pour l'instant.
Jonas Bracken. Ici l'armée révolutionnaire activiste mondiale. J'appelle Jonas Bracken. Répondez, monsieur Bracken. Monsieur Bracken, vous m'entendez? Il est 20h. Vous m'entendez? Répondez. Ici Bracken. Laissez-moi parler à ma femme. Elle n'est pas au poste d'où j'appelle. Monsieur Bracken, si vous voulez que votre famille vous soit rendue saine et sauve, vous devrez suivre nos instructions à la lettre. Doucement. Doucement, qu'on puisse se caler sur leur longueur d'onde. Elle est assez longue, mais comme je suis sûr que vous et la police vous enregistrez nos émissions, cela ne doit pas poser de problème. Est-ce qu'elle va bien? Oui, pour le moment. Ayez confiance, monsieur Bracken. Nous devons nous faire confiance. Vous vouliez de l'argent, je me le suis procuré. Monsieur Bracken, vous devez accepter ma parole comme j'accepte la vôtre. Nous sommes une force militaire combattant l'impérialisme mondial. L'argent que vous vous êtes procuré va servir à nous fournir en armes et munitions nécessaires pour notre victoire. Vous avez une semaine pour vous procurer ces armes. Si vous échouez, votre famille sera exécutée. Un rayon de 10 km environ, nord-nord-est terminé. Voici la liste des armes demandées. Les instructions pour la livraison vous seront données lorsque vous vous laisserez procurer. Très bien, j'écoute. 20 mitrailleuses M2 calibre 50. 20 000 cartouches. 100 fusils automatiques M16. Avec 1 million de cartouches de 223. 50 lance-grenades M79 de 40 mm. 150... Et nous sommes au secteur... Secteur 6. Et 600 cartouches. 15 canons anti-aériens sur affût. 114 fusils et 1 million de cartouches. Il semble qu'on reçoive un signal particulier provenant de la partie est du secteur 6. 1 million de cartouches. Je crois savoir où 30-06. 100 pistolets automatiques 19-11 A1, calibre 45. Voici Sergio Leone, Boris. 500 armes anti-chars. Des mortiers de 81 mm, 30 boîtes de graisse d'armes et un demi-million de cartouches de calibre 45. Tournez à droite. Sans-caisse d'explosif plastique C3. 500 détonateurs électriques. 100 masques de protection. 500 fusées éclairantes. 100 télescopes. 300 cartons de ration C. Ici 905. Ici 905. Je confirme le point 2. Je confirme le point 2. Pour vous rendre, sinon nous ouvrons le feu. Dimitri!
6 de mes hommes tués. 11 gravement brûlés. 3 d'entre eux dans un état critique. Bon, je vais vous laisser, commissaire. Le fils unique de ma sœur. C'était comme mon fils. Oui, je suis désolé pour vous. Mais vous pensez à mon fils. Je veillerai à ce qu'on arrête chaque membre de cette bande et qu'ils soient tous punis pour cette atrocité. Il faudrait d'abord que vous les trouviez, commissaire. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Le terrorisme finit toujours par être vaincu. Le seul problème, monsieur McCabe, c'est de décider quel prix nous sommes prêts à mettre pour sauver la vie des êtres qui sont en jeu. Et il ne faut pas avoir peur de prendre cette décision. Oui. Non, non, vendredi, c'est trop tard. Il nous le faut immédiatement. Vous êtes sûr? Bon, alors... Pour vous encourager. Oui, au revoir. D'accord, je reviens dans une heure. Jonas, où est-ce que vous allez? Ce sont des négatifs, il faut que je les porte à la police. Ah oui? Vous ne croyez pas qu'on devrait d'abord les voir? Oui, pourquoi pas. Ils ont l'air d'aller bien. Ouais. Regardez, il a toujours ses bijoux. Ouais. On dirait qu'il y a un tableau derrière le grillage. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. J'aimerais que vous fassiez plusieurs épreuves de ça pour moi. Pourquoi faire? Je vais essayer de trouver où ils sont. Comment? Écoutez, procurez-vous des armes et des munitions. Moi, je m'occupe de ça, d'accord? D'accord. Mon vieux McCabe, je dois t'avouer que ton attitude m'a étonné. J'ai toujours eu le sentiment que ton divorce ne t'avait pas laissé aussi indifférent que tu le prétendais. Dépêche-toi, Fred, nous n'avons qu'une demi-journée. Tu sais... Tu as vieilli, ah oui, tu as vieilli de 10 ans depuis 2 ans que je ne t'avais pas vu. Oui, ben je vais encore vieillir de 10 ans si tu ne trouves pas ce que je te demande. Tandis qu'Hélène, elle semble plus jeune. C'est fou la différence que peut faire un bon mariage, McCabe. Tout n'est qu'une question de classe. Une femme comme Hélène a besoin d'un gentleman, pas d'un nomade. Sers-toi un autre verre, McCabe. Ça peut prendre un certain temps. Byzantins, des saints guerriers, des lances, une armure. Expression du visage austère. Bon, bah, il faut bien commencer. À propos, comment ce pauvre monsieur Bracken se comporte-t-il dans l'épreuve? Ça va. Il tient bien le coup. Petite tête. Je vois que tu as changé d'opinion sur lui. Hein? Qu'est-ce que tu veux que mon opinion y fasse? Pour moi qui l'ai épousé. Il faut chercher uniquement parmi les fresques. Bon, enfin, c'est toi qui lui as donné, non? Ne raconte pas de bêtises, je ne lui ai pas donné. Nous avons conclu un marché qui a arrangé tout le monde, c'est tout. Ah ben, toi surtout. Il a fait changer tes 50 prisons en 2 ans grâce à ses relations. C'était la seule raison. Je te dis que ça a arrangé tout le monde. Et restons-en là, s'il te plaît, Fred. Oh, comme tu voudras, Mac.
vraiment un génie. Un artiste du début du XVIe siècle. Il s'appelle Théophanos. Il emploie beaucoup de rouge. C'est fantastique, où est-ce? Dans un monastère abandonné. Roussanou. Il n'y a qu'une seule route qui y mène. Les terroristes ont bien choisi. Ces rochers sont une défense naturelle. On ne peut pas atteindre le monastère sans être vu. Seront les bienvenus. Oh, notre colombe rose a l'air
l'air d'avoir des admirateurs. Ah, votre bon cœur, messieurs, dames. Me drague. Allez, un beau geste. Merci beaucoup. Ah. Bravo. C'est de quoi nous acheter un parachute. Et un nouveau soutien-gorge pour Cora. Et voici le clou de notre spectacle. Nul mieux qu'eux n'a le droit de porter le nom magique Tom Holland. Merci beaucoup. Ah, ça a l'air fantastique de voler comme ça. En combien de temps on peut apprendre? Ça ne dépend que de vous. Admirez cette virtuosité. $200. On peut demander à Ben, hein? Oh oui, bien sûr. Ben va s'occuper. Qui est Ben? Oh, il devrait se poser d'une minute à l'autre. Mesdames et messieurs, applaudissez Ben et Lena. Vous verrez rarement un couple aussi extraordinaire. Alors, allons voir Ben. C'est avec ces deux étoiles de la haute voltige que se termine notre spectacle. Nous espérons qu'il vous a plu. Ben, ce type qui arrive voudrait apprendre à voler. Bonjour, McCabe. Bonjour. Ben Miller. Ravi de vous connaître. Nous n'avons pas le temps de donner des leçons, je suis vraiment désolé. Oh, Ben, tu n'as pas compris. Il veut nous donner $200. Oui. Vous n'avez jamais essayé? Non, mais j'ai très envie de le faire. Il dit qu'il est pilote. C'est pas si facile que vous croyez, monsieur McCabe. Oh, laissez-moi vous dire. Ma chance, chérie. Dites donc, ces engins peuvent porter 2 personnes. Non, bien sûr. Bon, venez, on va boire une bière. Asseyons-nous, on pourra parler de ça. Voici ma femme, Della. Bonjour. Moi, c'est Martin. Salut, Martin. Viens et apporte une bière pour monsieur. Rudy. C'est Cora, bonjour. Bonjour Cora, merci. Joe. Ah, le caissier. Si vous n'êtes pas satisfait, nous vous rembourserons. Oui. Santé. Bon, attrapons la barre et tenons bien les cordes. Et maintenant, il ne faut plus lâcher. Ça va pour l'instant? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On décolle. Allez, on se met à courir. Allez! Bon. Pour diriger, vous bougez le corps du côté où vous voulez aller. Si vous plongez, vous mettez votre poids en avant. Ouais. Difficile. Bon, je vais essayer. Je peux aller vers la droite. Ah, alors, penchez-vous à droite. Doucement! Sinon, il nous faudra un matelas à l'arrivée. Oui, ça va. Vous en faites pas, j'ai compris. Et maintenant, courez! Allez! Ne vous appuyez pas dessus! Oui, ça va. Mettez votre poids à l'arrière. À l'arrière, le poids à l'arrière! Levez les jambes! Oh, mais non, courez plus longtemps! Il faut prendre de l'élan! Non, pas comme ça! Courez! Allez, courez! Poussez en avant! En avant! Allez, levez les jambes! C'est ça! Et maintenant, en avant! Poussez en avant! Maintenant, le poids au milieu! Oui, c'est ça! Levez les jambes! Les jambes! Ah! Allez, courez! Non, les mains au milieu de la barre pour mieux le diriger! Au milieu de la barre! Lancez-vous en avant! Voilà, levez les jambes, tenez la barre au milieu! Au milieu, je vous dis! En avant maintenant, en avant, levez les jambes! Quoi? Non, bah bon, posez-vous et courez! Répondez, monsieur Bracken. Répondez! Donnez-moi ça. Vous n'entendez pas? Si, ici Bracken. Le délai touche à sa fin, monsieur Bracken. Où en êtes-vous? J'ai presque réuni tout ce que vous avez demandé. Pourquoi presque? Ça prend du temps pour trouver les armes. Vous avez vu sur les photos qu'on vous a envoyées que votre famille est toujours saine et sauve. Vous voulez qu'elle le reste, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors dépêchez-vous, monsieur Bracken. Et n'essayez pas de nous trouver. Donnez-moi ça. Donnez-les-moi. Commissaire, la raison pour laquelle... Les photographies, s'il vous plaît. Donnez-lui l'enveloppe. Oui. Il y a photo anal ici. Amesos. Les autres? Il n'y en a pas d'autres. Je n'en crois pas un mot. À qui les avez-vous donnés? À M. McCabe? Qu'est-ce que vous croyez qu'il peut faire?
Vous pensez que vous serez plus en sécurité entre ses mains? Monsieur Bracken. Monsieur Bracken. Vous venez au commissariat avec moi. Je vous arrête. Voilà l'affaire. Il y a 100 000 dollars pour commencer. Ouais, ça nous fait environ 16 000 chacun. La décision doit être unanime. Nous sommes ensemble depuis trop longtemps pour nous séparer. Seulement, si on accepte ce coup, il ne faudra pas faire de conneries. Il ne s'agit plus que de numéros de cirque. Regarde ce visage. Si on entre dans ce coup, je dis bien si on y entre, on peut se faire plus de pognon qu'en 10 ans. Il ne s'agit pas d'y entrer, il s'agit d'en sortir. Moi, je ne sais pas. Peut-être que les terroristes ont raison, eux aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis qu'il faut y aller. Martine? Ouais. Eh bien, si c'était moi la prisonnière, je sais que j'aimerais qu'on vienne m'aider. Della? Tu sais que j'irai où tu vas, Ben. On va enfin voir Martine à l'action. Tu vas voir. Qu'auriez-vous fait si on avait dit non? Lausanne, c'est environ 5 heures d'ici. Nous y allons demain matin. Attendez qu'il relâche ma famille. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Vous ne reverrez jamais votre famille vivante si vous leur donnez ce qu'ils demandent. Attendez qu'il relâche ma famille. Monsieur Bracken, je vous en prie, ne sous-estimez pas le degré de folie de ces gens. Je ne sous-estime pas ce qui pourra se passer quand ils découvriront que je leur envoie la police. Mais ils ne pourront pas le découvrir. Commissaire Nicolidis, Monsieur McCabe a quitté son hôtel il y a 2 jours. Il paraît qu'il est parti avec d'autres Américains. Il faut que nous y allions. Il faut les surprendre à l'aube. Venez avec moi, Monsieur Bracken. Venez m'aider à libérer votre famille. Commissaire, je vous en prie. Comment vous persuadez d'attendre? Vous ne pouvez pas, je suis désolé. Alors, vous venez? Oui. On ne peut pas y arriver d'ici. Si nous voulons arriver au-dessus du monastère, il faut partir d'un point beaucoup plus haut, par là, pour avoir le temps de parcourir cette distance. Ouais, on n'a qu'à prendre le pic qui est là. Oui. On peut y monter? Et bien sûr. Ce n'est pas un problème pour nous. Notre descente va nous conduire juste entre ces 2 aiguilles de rochers. Oui, elles vont nous couvrir pour partir. Oui, mais qu'est-ce qui va nous couvrir pour arriver? Oui. Le silence, la surprise. Et la nuit. La nuit? Il y a 3 jours de pleine lune cette semaine. Ça vous fait peur? Si le vent est bon, on peut essayer. Mais ça, nous ne le saurons que lorsque nous y serons. Est-ce que ça vous fait peur? Je ne le saurai que lorsque j'y serai. Joli mot, Jimmy. À toi de chercher, Suzy. Quelque chose qui commence par H. Hélicoptère? Non, c'est homme. C'était une bonne idée, Suzy.
tuer. C'est plus ou jamais. Je me fous du vent. Moi, je tente le coup. Mais voilà, Steve. Je viens prendre la relève. Préparez-vous à voler. Bon, ça ira. Le vent s'est calmé. Ouais. Bon, écoutez. Pas un mot par radio, compris? Deux claquements de doigts à mon arrivée et trois claquements pour vous dire de venir. Vous n'avez pas de nouvelles de moi au bout de 15 minutes. Vous rempaquez tout et vous rentrez. Allez, écartez-vous de là. J'entendrai.
Ça y est, il est arrivé. À nous. Au revoir, monsieur. T'inquiète pas pour moi, mon ange. Oui, on est prêt. Ça. C'est là, monsieur Bracken. Amen.
Donne-moi du café. Ouais, d'accord. Attends une minute. Pourquoi on ne changerait pas pour une fois? Va faire le café, moi je prends la radio. C'est que ça va. Hey, apportez les cartes. C'est par là. Avec elle, je savais bien qu'il nous sauverait. Oui. Oui, il va arriver tout de suite. Alors, écoute-moi, toi et ta sœur, vous sortez et vous suivez les deux messieurs qui sont là, hein? Vas-y, Jimmy. T'es venu pour nous sauver? Oui. Allez-y, maintenant. On va prendre le sac qui est là. L'hélicoptère. Martin, pars avec elle.
parti, bien mêlé. Appuie-toi sur nous. À voler. Tout est prêt? Oui, je vais t'aider. Allez, suivons-les! C'est bon, Rick, c'est bon. Vas-y, maintenant! Madame Bracken, vous partez avec Martine. Vous courez le plus vite possible et ensuite vous faites tout ce qu'il vous dira. Ah, ouais, chérie, on va voler comme Peter Pan. Thank you.
chose qui va pas, il faut qu'on se pose, je peux pas continuer. Mais non, on descend pas. Reste avec ta sœur une seconde, tu seras gentil. Attendez, toutes mes félicitations, McCabe. Vous avez eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ça, vous pouvez le dire. C'était très impressionnant, ce vol. Vous êtes vraiment fou. C'est vrai, je suis complètement dingue. Nous avons perdu un de nos hommes près du monastère, là-haut. Et est-ce que les autres sont bien descendus? Je vais me renseigner. Oui, oui. Toujours eu le chic pour me foutre dans des coins impossibles. Jimmy. Oui, Jimmy. Quand est-ce qu'on va revoler? Fais attention, il est chargé. Mais le camp. Le camp de sûreté. Oui, oui. Eh bien, toi. Je vais chercher Jimmy. Non, reste là. Je crois qu'un père suffit à un gosse de cet âge, non? Peut-être. On pourra peut-être lui apprendre plus tard.
de séjour. Ah oui. Les autres hommes volants sont tous bien descendus. Ah. Écoute doucement. Oh. Ça va. Tenez, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah, merci. Du 5 étoiles, mais je peux vous l'avoir en gros. Seulement, il faut le prendre par caisse.